Hello children, hope that you're safe and fine. Today also, we will continue with the second term syllabus, which means that we will be working in the part 2 of the books. The books can be found on the website of MIE. We will start with maths. Alors aujourd'hui, on va toujours continuer avec le topic de Engels. Donc on travaille toujours dans le part 2 des livres. Alors aujourd'hui, on va faire sorting Engels. Sorting veut dire on va faire le tri des Engels. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? On va classer les angles. Commençons par le plus petit pour venir au plus grand. Un peu comme ascending order. Alors, observez les angles que vous voyez sur votre écran. Observe the following angles. Now. Using the angle maker, copy and arrange the above angles, starting with the smallest. Alors, ici, il faut trouver quel angle est plus petit. Ensuite, vous allez dessiner l'angle qui est le plus petit avant. Ensuite, le deuxième, troisième et finalement, l'angle qui est le plus grand. Un peu comme ascending order. Sauf ici, on va regarder la taille des angles. Alors, pas besoin de angle maker ici. Vous pouvez prendre deux règles pour mesurer les angles. Voir quel angle est plus petit et quel angle est plus grand que l'autre. Si vous n'avez pas de règles, c'est pas grave. Alors, ce que vous allez faire, vous allez copier la question dans vos cahiers. Ensuite, vous allez classer les angles, commençant par le plus petit. OK? En voyant les images, on peut déduire, on peut dire quel angle est plus petit. Quel angle qui va venir deuxième, troisième et finalement quel angle est le plus grand de tous ces angles. Ok? Alors, j'espère que c'est bon. Allons maintenant voir les réponses ensemble. Donc, quel angle est plus petit ici? Angle C is the smallest angle. Which is the angle that comes next? Angle A. And then we have angle D. And which is the largest angle that we have? Angle B is the largest angle that we have. Now, let us do right angle. Now, what is a right angle? Alors, use a mug or a ball to draw a circle on a sheet of paper.
cut out the circle. Alors, vous allez prendre une tasse ou un bol pour dessiner un cercle. En d'autres mots, vous allez tracer un cercle à l'aide d'une tasse ou d'un bol sur une feuille de papier. Ensuite, quand vous aurez terminé de dessiner le cercle, vous allez découper le cercle. OK? Alors, j'espère que c'est bon. Ensuite, vous allez plier le cercle en deux parties. Alors, vous allez plier le cercle en deux parties égales. Il faut que les deux parties soient égales. Then, fold it again into quarters. Alors, vous allez plier le cercle encore en quarters. Veut dire, alors, on doit plier le cercle en quatre. De manière qu'on a one quarter circle, comme vous le voyez sur votre écran. Donc, vous aviez un cercle, vous avez plié le cercle en deux, petit égal. Ensuite, vous allez prendre le cercle, vous allez le plier encore en deux parties égales. Alors, a small square is drawn where the two lines meet. This square represents an angle which is called a right angle. Alors, un petit carré est dessiné à l'endroit où les deux lignes se rencontrent. Comme vous pouvez le voir sur l'image, il y a deux lignes droites, ok, qui se rencontrent. Alors, à l'intérieur de l'endroit où les deux lignes se rencontrent, on a un angle. On dessine un petit carré qu'on appelle a right angle. Alors, ce petit carré représente the right angle. OK? Alors, quand deux lignes droites se rencontrent à l'intérieur de l'endroit où les deux lignes vont se rencontrer, on va dessiner un petit carré pour représenter le right angle. Voici quelques exemples de right angle. Comme vous pouvez le voir, là où les deux lignes se rencontrent, on a dessiné un petit carré. Ce petit carré est en effet le right angle. A right angle is one which is equal to 90 degrees or one quarter of a full revolution. Ça veut dire quoi? Right angle
et ton angle égal à 90 degrés ou à un quart de tout complet. One quarter of a full revolution veut dire un quart de... un quart d'un tour. Remember what are angles? Angles are the amount of turn. C'est la quantité de tour. Alors, a right angle est égal à 90 degrés et à un quart d'un tour. Un quart d'un cercle, comme on l'avait vu précédemment. Alors, tous les right angles sont égaux à 90 degrés. Il faut toujours se rappeler de cette chose. Alors, a right angle is equal to 90 degrees. OK? Alors, si tu voulais mathématiques aujourd'hui, je vais vous recommander d'aller bien reviser ce qu'on a fait aujourd'hui, sorting angle et surtout le right angle. English now. So today in English we are going to do punctuation, la ponctuation. Now, let us first read this text. Dixie and his friend Jenny are going to their guitar club. Next Saturday, they will perform in a show. Dixie, I'm so nervous. Nervous veut dire nerveux. Jenny, it's the first time that we are going to be on stage. Dixie, your parents are coming, aren't they? Jenny, yes, they are really excited. Dixie, it's going to be a lot of fun. I hope we perform well. Now, observe the words in bold. Observez les mots en gras. The words in bold are in contracted form and that is why we use an apostrophe. Alors, comme vous l'avez déjà remarqué, les mots en gras consistent d'un apostrophe, n'est-ce pas? Alors, selon vous, pourquoi on utilise un apostrophe? Les mots en gras sont sous forme contractuelle. Contractuelle veut dire? Ça veut dire qu'on avait deux mots. Ensuite, on a combiné les deux mots en un seul. Allons voir des exemples. Le mot I am a été contracté pour devenir I'm. Le mot it is a été contracté pour devenir it's. Le mot we are a été contracté pour devenir we are. Le mot they are ont été contractés pour devenir they are. OK? Quand vous voyez ces mots-là, I'm, it's, we are, they are. Donc, I am. C'est I'm, it is, c'est it's, we are, c'est we are, c'est there. OK? Alors, I'm, c'est le short form of I am, it's is the short form of it is, we are is the short form of we are, and there is the short form of they are. Let's now see how these words are used in a sentence. For example, if I have the sentence, I am going to the shop. I can contract the words I am into I'm. So, I'm going to the shop. Second, it is raining. You see,
Je peux contracter les deux mots it is en it's. It's raining. Ça veut dire la même chose. Troisième, we are playing football. We are playing football. Ici, on a contracté le mot we are en un seul mot. They are sick. They are sick. Ici, on a contracté le mot they are en un seul. Alors, allons maintenant faire activité 4A à la page 38. Complete the table below with apostrophe and without apostrophe. Alors, on utilise un apostrophe pour, ici pour contracter deux mots, pour faire deux mots devenir un seul mot. Ok? Comme on l'avait vu pour I am, qui est deux mots, ça devient I'm, un seul mot. It is devient it's. We are, they are and they are. Alors, ici, ce que vous devez faire, c'est écrire les phrases avec un apostrophe. Si dans une phrase, il n'y a pas d'apostrophe, vous allez contracter les deux mots avec un apostrophe. Alors, si par exemple, dans une phrase, il y a un apostrophe, vous allez le réécrire sans un apostrophe. Donc, dans la forme complète des mots. Alors, pour le premier, un exemple. I'm so nervous. Ici, on a un apostrophe. I'm. I'm est le short form de I am. Alors, on va écrire la phrase sans apostrophe. Ça veut dire, on va écrire la forme complète de I'm, qui est I am. So, it will be I am so nervous. Ok? Pour le deuxième, ici, we are going to perform on stage. Ici, il n'y a pas d'apostrophe. Alors ici, on va contracter les deux mots we et are en un seul mot. Ensuite, vous allez réécrire la phrase. They are coming to the concert. Ici, on a un apostrophe. Donc, they are, c'est un mot contracté. On va écrire la phrase sans l'apostrophe. Ça veut dire qu'on va écrire la forme complète de they are. Ça veut dire they are coming to the concert. It's going to be fun. She is very excited. He is a talented singer. Alors, vous allez faire cette activité par vous-même. Vous allez d'abord copier la table en entier dans vos cahiers. Ensuite, vous allez faire la question. Alors, rappel. Là où les mots sont contractés, veut dire là où il y a un apostrophe, il faut écrire les mots en forme complète. Alors, là où il n'y a pas d'apostrophe, il faut contracter les mots. Ok? Vous avez un colonne with apostrophe and without apostrophe. Dans la colonne with apostrophe, il faut contracter les mots avec un apostrophe. Dans la colonne without apostrophe, il faut écrire les mots en forme complète. Alors, she is peut devenir she is, he is, peut être contracté par his. Ok?
Alors, j'espère que c'est bon. Donc, allons maintenant voir les réponses ensemble. Alors, pour le premier, I'm so nervous. Sans l'apostrophe, ça va être I am nervous. Deuxième, we are going to perform on stage. Il n'y a pas d'apostrophe ici. Alors, on doit contracter les deux mots we et are. We are going to perform on stage. Troisième, they are coming to the concert. Ici, les mots sont contractés, donc il faut écrire la forme complète des mots. They are coming to the concert. It's going to be fun. Ici, les mots sont déjà contractés, donc il faut écrire la forme complète des mots. It is going to be fun. She is very excited. Il n'y a pas d'apostrophe, donc on doit contracter deux mots. She is very excited. He is a talented singer. Ici, pas d'apostrophe. Donc, on doit contracter deux mots. He is a talented singer. Alors, he is going to the shop, par exemple. He is going to the shop. Ici aussi, on va contracter les deux mots he et is. She is playing football. She is playing football. Ici aussi, on a contracté les deux mots she is en un seul mot she is. Alors, rappel, on utilise les apostrophes pour contracter deux mots en un seul mot, comme it is devient it's, he is devient his, she is devient she's. Allons maintenant faire les question tags. Alors, allons lire le texte qui se trouve sur vos écrans. Pixie is going to the open air concert, isn't she? Her friends are singing in the show, aren't they? Uh-oh, it's raining today, isn't it? Now, did you notice that the underlined words have apostrophe? Now, what did we say earlier? When do we use an apostrophe? We use an apostrophe to contract two words, veut dire pour combiner deux mots en un seul mot. OK? Now, notice that the underlined words include an apostrophe. Les mots soulignés ont un apostrophe. What are the two words being contracted in the first question? And what are the two words being contracted in the second question? Allons voir quels sont les deux mots qui ont été contractés en un seul mot. Isn't est en effet la forme contractée de is not. Aren't est en effet la forme contractée de are not. Isn't c'est is not, aren't c'est are not. Now question tags. What are question tags? Now, the underlined words isn't it and aren't they are question tags. Les mots soulignés, isn't it, and are they are question tags. Now, question tags are added to the end of a sentence to make it a question. Donc, on ajoute les question tags à la fin d'une phrase pour en faire une question. Donc, les question tags sont toujours ajoutés à la fin des phrases pour en faire une question. Now, there are some rules when using question tags. When the sentence is in the affirmative form, the question tag is in the negative form. Now, what do I mean by this? Lorsque la phrase est affirmative, le question tag va être négatif. Alors, c'est quoi une phrase affirmative? Une phrase normale comme It's raining today, it is sunny, une phrase normale qui n'est ni interrogative et ni négative, donc une phrase normale. Alors, si la phrase est en forme affirmative, le question tag va être en forme négative, c'est-à-dire isn't it? On va avoir le not dans le question tag. Isn't it? Aren't they? OK? Comme par exemple ici, it's raining today. On peut voir que la phrase est affirmative. La phrase n'est pas négative ni interrogative. Donc, la phrase est affirmative. C'est une phrase normale. Alors,
Si la phrase est affirmative, le question tag va être négatif, comme on peut le voir ici. Isn't it? Isn't it, c'est la forme négative. OK? Alors, je vous donne un autre exemple. They are playing outside, aren't they? Maintenant, ici, la phrase est affirmative. C'est une phrase normale. La phrase n'est ni négative ni interrogative. C'est une phrase affirmative, donc une phrase normale. Alors, quand la phrase est affirmative, le question tag va être négatif. Donc, aren't they? Qu'est-ce qu'on avait dit? There is the contracted form of they are. C'est en effet they are. Donc, aren't they? Dans l'autre exemple, c'était it's. It's, c'est le contracted form of it is. Donc, ça va être le négatif form, ça va être isn't it. S'il y a it is dans la phrase, s'il y a it is, he is, she is, ça va être isn't it, isn't he, isn't she. Si c'est they are, we are, aren't they, aren't we. Alors, c'est dans une phrase, par exemple, we have we are. Le negative question tag va être aren't we. If we have they are, the negative question tag will be aren't they. If we have he is, the negative question tag will be isn't he. If we have she is, the negative question tag will be isn't she. And if we have Sarah is, the negative question tag will be isn't Sarah. If we have it is, the negative question tag will be isn't it. Alors, il faut bien mémoriser tous les question tags. Okay? Now, what will happen if the sentence is in negative form? We said that when a sentence is in affirmative form, the question tag is in negative form. Now, what happens when the sentence is in negative form, the question tag will be in affirmative form. Okay? Si la phrase est en forme négative, le question tag va être en forme affirmative. Par exemple, it's not raining today. On peut voir que la phrase est en forme négative. Donc, si la phrase est en forme négative, le question tag va être en forme affirmative. Veut dire, is it? We always place the verb first and then the subject. OK? Allons maintenant voir un autre exemple. They are not playing outside. Here we can see that the sentence is in negative form. Now, when a sentence is in negative form, the question tags need to be in affirmative form. Now, let us see some affirmative form of question tags. So, we are not will be, are we? They are not, are they? He is not, is he? She is not. Is she? It's not. Is it? Donc, ce sont les formes affirmatives des question tags quand on a des phrases négatives. Alors, on va faire activité 5A à la page 40. Alors, fill in the blanks with the correct question tag. Now, for I also, it's the same. If you have, I am not going to school today, so the sentence is in negative form. So the question tag needs to be in affirmative form. Am I? Okay? Now, fill in the blanks with the correct question tags. Isn't it? Are they? Isn't he? Am I? A. Ben is rehearsing for his performance. B. The dancers are not ready. C. I am not going to school today. D. It's a great concert. Now, the first thing that you need to see is if the sentences are in affirmative form or negative form.
OK? If the sentences are in affirmative form, so the question tags need to be in negative form. If the sentences are in negative form, the question tags need to be in affirmative form. Now, for the first one, Ben is rehearsing for his performance. The sentence is in affirmative form. Okay? The sentence is neither negative or interrogative. It is affirmative. Donc, c'est une phrase normale. Alors, if the sentence is in affirmative, the question tag need to be in negative. Okay? Now, here we have Ben is rehearsing. We can replace Ben with which pronoun? Ben is he. Ben c'est il. On peut remplacer Ben par il. Donc, what is il in English? He. Now, the sentence is in affirmative form. So, the question tag needs to be in negative form. So, we will use isn't he. Ben is. Donc, c'est, en d'autres mots, c'est he is. If the sentence is he is, the question tag will be isn't he. Alors, vous allez faire, pour les autres questions, il faut aussi regarder s'il n'y a pas he, she, it, I, we, they, you. Il faut regarder par quel pronom est-ce qu'on peut remplacer les noms, comme Ben. On peut remplacer Ben par he, comme the dancers. We can replace the dancers from they. Okay, so the question tag will be according to that. It is not, si pour la première phrase on avait Ben is rehearsing for his performance, we will not put isn't Ben. Ben is he, so we will put isn't he. Same for the dancers. The dancers are not ready. Aren't they? Ok? Donc, vous allez faire pour les autres questions. Alors, vous allez d'abord copier les questions dans vos cahiers. Ensuite, vous allez y répondre. Alors, j'espère que c'est bon. Allons maintenant voir les réponses ensemble. Donc, pour le premier, j'avais déjà dit Ben is rehearsing for his performance. Maintenant, on peut remplacer Ben par he. Donc, si la phrase est affirmative, le question tag va être négatif. So, isn't he? The dancers are not ready. Ici, la phrase est négative, en forme négative. Donc, on peut remplacer the dancers par quel pronom pas? They. So, the question tag, if the sentence is in negative form, the question tag will be in affirmative form. So, the answer will be are they? C. I am not going to school today. Now, if the sentence is in negative form, the question tag will be in affirmative form. So, the answer will be am I? D. It's a great concert. Here the sentence is in affirmative form, so the question tag will be in negative form. So the answer will be, isn't it? Good? Okay, now. Let us do exclamation mark. Point d'exclamation. Okay, on avait déjà fait ça en français. Let us first read the text. Pixie and her friend Jelena have gone to a dance show.
They are fascinated by their dances and performances. Pixie, look, wow, their salsa dances are so lively. Janina, I really like their big skirts. I wish I could dance salsa. Me too. Now, they have finished, the Sega dancers are coming on stage. Jelena, I enjoy dancing Sega, but my favorite dance is Bollywood style. Pixie, that's mine. Mine is ballet. Now, what can you notice in the text? That we have many exclamation marks at the end of sentences and words. Now, why do we use an exclamation mark? The exclamation mark is often used to express strong feelings such as anger, surprise or joy in a sentence. Ça veut dire quoi? Le point d'exclamation est souvent utilisé pour exprimer des sentiments forts, comme la colère, la surprise ou la joie dans une phrase. Alors, when we see an exclamation mark, we say the sentence or word louder and with more feeling. Alors, quand nous voyons un point d'exclamation dans une phrase, nous allons lire la phrase plus fort et avec plus de sentiments. Allons maintenant voir quelques exemples des phrases avec le point d'exclamation. Oh, that is a gorgeous new dress. No, I did not intend to lock myself out of the house. Stop. I really don't want to get wet. Don't throw me in the pool. The cat kept saying meow loudly and I couldn't sleep. Now, what can you observe? That we have used exclamation marks at the end of some words. Why? To show strong feelings, okay? Like, oh, that is a gorgeous new dress. No, I did not intend to lock myself out of the house, okay? Now, when do we use a full stop? Un point. We use a full stop at the end of a sentence. When do we use a question mark? We use a question mark at the end of a question. Now, you will do page 44, activity 8A. Fill in the blanks by correctly adding a question mark, full stop or exclamation mark. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Vous avez des phrases. Alors ici, il faut mettre soit un point d'exclamation ou un point d'interrogation, ok, si la phrase est une question. Par exemple, si c'est une phrase normale, on va mettre un point. Si dans cette phrase, on est en train d'exprimer des sentiments forts, on va mettre un point d'exclamation. Si cette phrase est une question, on va mettre, bien sûr, un question mark. Now, first one. Dan listens to radio at 5 o'clock. 2. Do you want to play the piano? 3. Look, the dances are so beautiful. Mother is singing in the kitchen. 5. The musicians are preparing themselves before the show. What a beautiful dress, exclaimed Anna. Is the microphone working? There he is. We have been looking for him for hours. Watch out. It's not safe to cross the road. Alors, vous allez d'abord copier toutes les phrases dans vos cahiers. Ensuite, vous allez faire l'exercice.
Alors, allons maintenant voir les réponses ensemble. First one. Dan listens to radio at 5 o'clock. Full stop. It is a normal sentence. Do you want to play the piano? This is a question, so at the end of a question, we add a question mark. Look, the dancers are so beautiful. Here, the person is showing strong feelings. So, we will put an exclamation mark on both sides. Mother is singing in the kitchen. Full stop. The musicians are preparing themselves before the show. Full stop. What a beautiful dress! Exclaimed Anna. So, for the first one, we will put an exclamation mark. Exclaimed Anna. A full stop. Is the microphone working? Here we are asking a question, so question mark. There he is. We have been looking for him for hours. Here, this sentence is showing strong feelings. So we will add exclamation mark on both sides. Watch out! It's not safe to cross the road. Here also, we will add exclamation marks on both ends of the sentences. Okay? So as homework, you will do activity 8B. Write sentences with the correct punctuation. So you will write a two sentences about music that end with one exclamation mark. You will write one sentence about dancing that ends with a full stop. And finally, you will write a sentence about an instrument that ends with a question mark. Alors, c'est tout pour l'anglais aujourd'hui. N'oubliez pas de bien... Alors, le français maintenant. Alors, aujourd'hui, on va écrire des phrases, ok? En se basant sur les images. Alors, regardez les images que vous pouvez voir sur votre écran. Alors, je lis les phrases suivantes. La première. Ensuite, je mélange la farine et je verse le mélange dans un moule. Je bats le sucre et le beurre ensemble, un par un. J'ajoute les œufs. Voilà, mon gâteau est prêt. Premièrement, je prépare tous les ingrédients dont j'ai besoin. Je les mets au four pour cuire. Alors ici, les phrases ne sont pas dans la bonne ordre. Il faut le classer. Il faut classer les phrases selon l'image, ok? Alors, on va faire cet exercice ensemble. Quelle est la première chose qu'on va faire? Donc, premièrement, je prépare tous les ingrédients dont j'ai besoin. Deuxième, je bats le sucre et le beurre ensemble. Troisième, un par un, j'ajoute les œufs. Et quatrième, ensuite, je mélange la farine et je verse le mélange dans un moule. Cinquième, je le mets au four pour cuire. Et finalement, voilà, mon gâteau est prêt. Alors, cet exercice est très facile. Il faut classifier les phrases selon les images. Alors, ensuite, il faut réécrire les phrases selon la bonne ordre, comme ici. Premièrement, je prépare tous les ingrédients dont j'ai besoin. Deuxième, je bats le sucre et le beurre ensemble. Trois, un par un, j'ajoute les œufs. Quatre, ensuite, je mélange la farine et je verse le mélange dans un moule. Cinquième, je le mets au four pour cuire. Sixième, voilà, mon gâteau est prêt. Alors, vous allez faire la même chose
Pour exercice 2, la tarte aux pommes. Alors aujourd'hui, vous allez apprendre comment préparer une tarte aux pommes. Alors d'abord, vous allez mettre les phrases dans l'ordre correct. OK? Ensuite, vous allez réécrire les phrases selon l'ordre correct. Alors, il faut d'abord observer les images, OK? Qu'est-ce qu'il faut faire en premier, en deuxième, en troisième, en quatrième, cinquième, en sixième et finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Allez-y. Alors, j'espère que c'est bon. Allons maintenant voir la bonne ordre des phrases. Donc, pour la tarte aux pommes, premièrement, je prépare la pâte brisée. Deuxième, ensuite, je l'étale sur le moule. J'épluche les pommes et je les coupe en morceaux. Je les cuis avec du sucre pour faire une compote. J'étale la compote sur la table, sur la pâte, excusez-moi. Je décore avec des pommes coupées. Et finalement, je cuis la tarte au four. Alors, comme homework, vous allez réécrire les phrases. Pour la crêpe maintenant. On va maintenant préparer une crêpe. Alors, vous allez faire la même chose. Vous allez classifier les phrases selon la bonne ordre.
Alors, j'espère que c'est bon. Allons maintenant voir les réponses ensemble. Premièrement, je prépare tous les ingrédients dont j'ai besoin. Je mélange l'œuf à la farine. Petit à petit, je verse le lait au mélange. Je fais chauffer une poêle pour cuire mes crêpes. Avec une louche, je verse la pâte dans la poêle. Je peux maintenant manger mes crêpes. Alors, vous allez réécrire les phrases dans la bonne ordre comme vous voulez. OK? Donc, quand dans une phrase on a le mot premièrement, ça veut dire que ça va être la première phrase. En premier, je vais faire cette chose. Et quand on a finalement, dans une phrase, ça veut dire que on fera cette chose en dernier. C'est bon? Alors, c'est tout pour le français aujourd'hui. Science Now. Today also, we will continue with the topic of material. Today also, we will be investigating some of the properties of materials. Now, observe the cartoon below and read the conversation. I can see through the window panes. Why can't I see through the wall? Alors, vous avez un petit garçon qui dit que qu'il peut voir à travers la fenêtre. Tandis que la petite fille ne peut pas voir à travers le mur. Alors, pourquoi? Allons maintenant répondre à quelques questions. What is the window pane made of? Can the boy see through the glass? Can the girl see through the wall? Now, what is the window pane made of? La fenêtre est faite de quoi? De verre. The window pane is made of glass. Now, can the boy see through the glass? Can we see through a window? Est-ce qu'on peut voir à travers une fenêtre? Yes, the boy can see through the glass. Now, can the girl see through the wall? Est-ce qu'on peut voir à travers un mur? Non. No, the girl cannot see through the wall. Now, why is it so? Now, observe the windows in your classroom. Donc, ici, on n'a pas de classroom. Observe the windows in your house. What material is used to make the window pane? Quels sont les matériaux utilisés pour faire les fenêtres? The window pane is made of glass. OK? Now, selon vous, pourquoi on utilise le verre pour construire une fenêtre? To let light pass through it. Pour laisser passer la lumière à travers. Est-ce que la lumière peut traverser à travers une fenêtre? Bien sûr que oui. Maintenant, est-ce que la lumière peut traverser un mur? Non. Now, what will happen if you do not use the right material to make a window pane? Qu'est-ce qui va arriver si on n'utilise pas le bon matériau pour construire une fenêtre? D'abord, la lumière ne va pas passer à travers et ensuite, on aura l'obscurité partout. Light will not pass through it. We will stay in darkness. Si la lumière ne va pas traverser, on n'aura pas de lumière, donc on aura l'obscurité. Alors, what can you conclude? We can see through glass.
Glass is a material that allows light to pass through. Now, nous pouvons voir à travers le verre, n'est-ce pas? Le verre est un matériau qui laisse passer la lumière. Ok, comme vous pouvez le voir dans l'image, on a la lumière qui provient du soleil, ok, qui passe à travers le verre, la fenêtre, pour venir à l'intérieur. Now, a wall is made of a material that does not allow light to pass through. The material is not transparent, it is opaque. Alors, un mur est fait d'un matériau qui ne laisse pas passer la lumière. Le matériau n'est pas transparent, il est opaque. Ça veut dire quoi, transparent et opaque? Alors, on peut voir à travers le verre. La lumière passe à travers le verre. Donc, le verre, c'est transparent. Transparent, c'est quelque chose qu'on peut voir de l'autre côté, ok? Alors, c'est quoi opaque? Opaque est quelque chose qui n'est pas transparent. Donc, on ne peut pas voir ce qu'il y a de l'autre côté, comme un mur. Comme dans notre salle de classe, on a des murs, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas voir ce qui se passe de l'autre côté du mur, n'est-ce pas? Tandis que à travers la fenêtre, on peut voir ce qui se passe à l'extérieur. Et on a aussi la lumière qui traverse à travers le verre, à travers la fenêtre. Donc la fenêtre, c'est transparent. Le mur, c'est opaque. OK? Alors, opaque and transparent are other two properties of materials. Hier, on avait appris que un matériau peut être dur et doux. Softness and hardness. Aujourd'hui, on a appris qu'un matériau peut être opaque et un matériau peut être transparent. Comme le mur est opaque. Comme la fenêtre, le verre est transparent. Alors, ici, il faut bien comprendre le concept de opaque et transparent. Opaque, ça veut dire quelque chose qui ne permet pas la lumière de passer à travers, comme un mur. Un mur ne permet pas la lumière de passer à travers. Transparent, c'est quelque chose qui laisse traverser la lumière, comme le verre, la fenêtre. C'est bon? Alors, does water pass through all materials? Allons maintenant voir si l'eau passe à travers tous les matériaux. Now, we use mugs, bottles and cups to hold water. On utilise des tasses, des bouteilles et des cups pour retenir l'eau. Allons maintenant voir pourquoi est-ce qu'on utilise des cups en plastique, des tasses ou des bouteilles pour retenir l'eau. Si vous avez une tasse, un cup en plastique et une bouteille, remplissez les récipients d'eau. Et observez ce qui se passe après. Alors, which of these objects do not allow water to pass through? Quels sont les objets qui ne permettent pas l'eau de passer à travers? Mug,
Which material is it made of? Mug is made of metal. Une tasse. La tasse qu'on voit ici. Ok? Bottle. Which material is it made of? Glass bottle. So it is made of glass. And the cup. It is a plastic cup, so it is made of plastic. Now, does water pass through the mug? No. And does water pass through the glass bottle? No. And does water pass through plastic cup? No. Donc, l'eau ne passe pas à travers ces récipients. Alors, allons voir pourquoi. Metal, glass and plastic are materials that do not allow water to pass through. Le métal, le verre et le plastique sont des matériaux qui ne permettent pas l'eau de passer à travers eux. Alors, comment est-ce qu'on appelle un matériau qui ne laisse pas l'eau passer à travers d'eux? A material that does not allow water to pass through is called an impermeable material. Metal, glass and plastic are impermeable materials. Un matériau qui ne laisse pas passer l'eau est appelé un matériau imperméable. An impermeable material. Le métal, le verre et le plastique sont des matériaux imperméables parce qu'ils ne laissent pas passer l'eau. Alors, il faut bien se rappeler comment on appelle un matériau qui ne laisse pas passer l'eau. Impermeable, ok? Now, when it rains, pupils wear rubber boots. Explain why. Quand il pleut, les élèves, il y a des élèves qui portent des bottes en caoutchouc. Caoutchouc veut dire rubber. Alors, pourquoi? Selon vous, pourquoi? Because rubber is an impermeable material. Impermeable, c'est quoi? C'est un matériau qui ne laisse pas l'eau passer à travers. Donc, le caoutchouc, rubber, is an impermeable material. C'est pour cela qu'on utilise ce matériau pour faire des bottes. Alors, state a property of rubber that makes it suitable to make boots. Alors, ici, il faut indiquer une propriété du caoutchouc, du rubber, qui le rend apte à fabriquer des bottes. Apte veut dire qu'il le rend idéal pour fabriquer des bottes. Alors, selon vous, quelle est une propriété de rubber qui le fait idéal pour construire, pour fabriquer des bottes? Rubber is impermeable. Une propriété, c'est que rubber ne laisse pas passer l'eau. Donc, rubber is impermeable. Many fishing boats are made of wood. State one property of wood that makes it suitable to construct boats. Maintenant, plusieurs bateaux sont faits de bois. Selon vous, pourquoi on utilise le bois pour construire des bateaux? Because wood is impermeable. Le bois ne laisse pas passer l'eau. Do you think all materials are impermeable? Maintenant, selon vous, est-ce que tous les matériaux ne laissent pas passer l'eau? Non. No, all materials are not impermeable. Il y a des matériaux qui laissent passer l'eau. Some materials allow water to pass through. They are called permeable materials. Maintenant, il y a des matériaux qui permettent l'eau de passer à travers. On appelle ces matériaux des
Impermeable materials. Now, what are impermeable materials? Impermeable materials are materials which do not allow water to pass through. What are permeable materials? Permeable materials are materials that allow water to pass through. Comme l'éponge, ok? L'éponge absorbe l'eau, mais l'eau peut aussi traverser à travers l'éponge, ok? Alors, c'est tout pour la séance aujourd'hui. Rappel, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait opaque and transparent material. C'est quoi opaque? Opaque, c'est quelque chose qui ne laisse pas la lumière traverser. Transparent, qui laisse la lumière traverser à travers, comme le verre. On peut voir ce qu'il y a à l'extérieur, n'est-ce pas? Ensuite, le verre permet la lumière de passer à travers. Donc, le verre, c'est transparent. It's transparent. Now, opaque. For example, a wall. Can we see what is happening on the other side of the wall? No, we cannot. So, it is opaque. On ne peut pas voir à travers le mur. Donc, c'est opaque. Et la lumière ne traverse pas à travers le mur. Donc, c'est opaque. OK? Impermeable materials are materials which do not allow water to pass through. Comme on a plastic cup, metal, on a ma metal, on a wood. Permeable materials are materials that allow water to pass through. Comme on a l'éponge, grass, l'herbe. OK? Alors, il faut bien réviser et bien comprendre le concept de opaque et transparent, permeable and impermeable. C'est très facile, c'est juste qu'il faut comprendre ces concepts. Alors, vous allez copier toutes les notes dans vos cahiers au moins deux fois. OK? Ça va vous aider à mémoriser ces concepts. Alors, je vous dirai de bien réviser et aussi de faire tous les devoirs, de prendre soin de vous et de votre famille. Passez une très bonne journée.